C'est un hall d'exposition désespérément vide. C'est un choc dans le monde culturel. Une vague d'annulation de spectacles, mais aussi de séminaires ou de salons. Les concerts dans les zéniths ou les arénas vont devoir être reportés, tout comme les salons professionnels. Tout s'est arrêté. 75% des événements en France sont soit annulés, soit reportés pour 2020. Et aujourd'hui, on génère une transformation massive des événements vers du e-événement, du e-live. Aujourd'hui, tout est encore possible. Réunir 1000 personnes au même endroit, célébrer les grands moments, digitaliser vos événements et vivez-les en e-live. Thank you for joining this marathon webinar, which we are able to deliver today thanks to the willingness of many intensive care specialists across the world. L'énorme développement, c'est le digital. On a fait une permutation à 180 degrés. On a lancé une marque qui s'appelle eLive by WinWin.com, qui est en fait une plateforme technologique qui permet de digitaliser les événements. Bienvenue au Live Expo 2020, notre premier salon 100% digital. Cette part de digital, elle est prépondérante. On a investi dessus il y a 10 ans. Ces investissements aujourd'hui portent leurs fruits et on va continuer à énormément investir. On est dans un nouveau monde, on peut le dire. Dans un monde qui change, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on peut faire aussi vivre des expériences mémorables à nos clients grâce au digital. Tout à fait. Non seulement on peut, mais on doit le faire. On a goûté à quelque chose que j'aime bien. Désormais, le digital est au cœur des stratégies des entreprises. On gère à travers une plateforme les lancements de fusées Ariane pour permettre aux VIP, à tous les publics cibles d'Ariane Espace, de participer à un lancement à distance. I am so glad to be here with you. Launch day is always an exciting day for us. During this event, you'll be able to access some exclusive content that we design and develop with our partner for this event. L'événementiel, c'est réunir et partager des messages, des émotions. Les entreprises, elles doivent continuer de communiquer, elles doivent continuer d'engager leurs collaborateurs en premier lieu. On peut imaginer que vous réunissez 100 top managers, mais que vous pouvez faire participer 1000 ou 10 000 collaborateurs de l'entreprise que vous ne déplacerez pas. S'engager quand on est étudiant, comment aller plus loin dans son engagement? La vraie volonté d'engagement pendant cette période, elle a grandi. Le digital concourt, en fait, à aussi une transformation vertueuse de nos métiers. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le nouveau SUV du segment C de la marque MG. Les 24 heures du Mans, cette année, sont jouées à huis clos. Nous avons créé une plateforme digitale qui permettait de façon immersive de pouvoir interagir avec la course et de tout savoir sur la course. Le présentiel, il va revenir à l'instar du Big Tour 2020, la plus grande tournée européenne qui s'est tenue l'été dernier. L'événementiel de demain, il sera hybride, à la fois présentiel et ultra digitalisé, augmenté pour partager avec à la fois des publics présents, mais aussi énormément de publics distants. Le e-live, c'est aussi ça. L'efficacité, la performance, notamment pour l'entreprise, la capacité à faire passer les messages, on a véritablement la solution aujourd'hui. Passez au e-live avec winwin.com.